Oui, bonjour. Bonjour. Alors, c'est Solidaire d'abord. Cette émission, vu les circonstances, est un petit peu particulière. On va parler du vivre ensemble et du pourquoi on en est là. Parce que quand même, on est tous un peu hagards. On sait qu'on est à un endroit où on voudrait pas être, peut-être. Hein. Alors, avant tout, donc il y aura Pierre-Yves qui va nous parler des paysans. On va dire. Il y aura Jean qui va nous parler du MRAP. Hein, comment on arrive à vivre ensemble? Quelles sont les associations? Quels sont les syndicats? Comment on fait pour être ensemble? Et puis, Marie-Thérèse, tu vas nous parler des citoyens. Oui. Hein, voilà. Et avant, il faut que je vous lise un petit mot d'Alain Vol qui était théoriquement prévu pour cette émission, mais qui ne vient pas vu les circonstances. Donc il écrit, vu les circonstances, qu'il ne vient pas pour parler de l'eau en souffrance au Tricastin, puisque à la centrale du Tricastin, il y a un gros problème avec l'eau. Et il nous communique ce petit mot, et il nous dit, vu les projets qui se dessinent en France à partir de juillet 2024, on voit que le seul programme qui est porteur d'une bifurcation écologique aujourd'hui est indispensable. Alors, seul programme, voilà, je ne sais pas comment vous pouvez comprendre ça. En tout cas, qui est là pour essayer de proposer quelque chose qui permettrait d'arrêter peut-être le nucléaire? Et il insiste, il dit, parce que ce nucléaire amène ces problèmes d'eau, donc problème de comment on fait pour arriver à gérer l'eau au Tricastin. Hein. Il constate que par exemple, pour arriver à mettre en place le scénario négawatt, avec un plan massif d'isolation thermique des bâtiments, le développement des énergies renouvelables permettant d'envisager à terme une sortie progressive du nucléaire, qui nous permettrait d'avoir une maîtrise de la transition énergétique. C'est quand même ça qui nous permet d'envisager un avenir. Donc, comment on fait avec tout ça? Alors, il nous dit, il y a des gens qui sont pour la relance du nucléaire, il y en a qui sont pour un moratoire sur le solaire et sur l'éolien. Et il essaye de nous parler de l'espoir. Voilà. Et donc, il dit, comment on fait pour vivre ensemble? Et c'est vraiment le sujet de cette émission ce soir. Pour en arriver là, il y a des choses qui se sont mal passées, il y a des choses qu'on a, des opportunités qu'on n'a pas su saisir, je ne sais pas exactement, comment ça se fait que, par exemple, les paysans se sont retrouvés dans la crise dans laquelle ils se sont retrouvés? Alors, c'est une crise économique, hein, avant tout, qui a démarré. On en avait déjà parlé, ce qui s'est passé au mois de janvier dernier, c'est véritablement un cri de colère par rapport à un monde agricole qui a du mal à s'en sortir individuellement sur les exploitations au niveau des revenus. Et puis une grosse difficulté qu'on a à changer le modèle, parce qu'en fait, tout modèle doit évoluer, hein, ça a toujours été comme ça. Et en fait, l'agriculteur de 1924 et l'agriculteur de 2024, c'est pas les deux mêmes, mais l'agriculteur de 2124, ce sera encore un autre agriculteur. Donc l'agriculteur de 1924, si aujourd'hui on lui donne une exploitation agricole à gérer, il sera incapable de le faire. Celui d'aujourd'hui sera incapable de faire celle de 1914, comme il sera certainement incapable de faire de celle de 2024. Donc de 2124, pardon. Donc en fait, il va falloir faire cette transition. On a du mal à la faire. Et c'est tout ce qui est difficile, c'est la chape de plomb économique qui est sur nous, qui est difficile c'est difficile de s'en sortir. Par contre, moi, je voudrais revenir sur un truc par rapport à ce qu'on vit, parce qu'au-delà même on l'a vu dans la crise agricole, hein, c'était concerné, on se sentait concerné, on voyait bien qu'il y avait un peu des blocs pareils que ce qu'on retrouve là maintenant, qu'ont du mal à parler entre eux. Moi, je trouve qu'on devrait vraiment se poser la question sur notre démocratie, comment elle fonctionne, et notamment sur le suffrage universel, qui en fait a quelque chose de tyrannique, puisqu'il impose celui qui arrive en tête à majorité prend l'ensemble du pouvoir. Et je pense qu'on serait plus judicieux de vraiment travailler plus de manière proportionnelle et de travailler dans des assemblées beaucoup plus diverses et variées, et dans lesquelles les gens arrivent à beaucoup plus communiquer entre eux plutôt que de se prendre la tête les uns contre les autres, quoi. Ouais.
Oui, parce que là, en fait, c'est la vie de celui qui est arrivé en premier qui compte, et puis le reste n'existe pas. Ouais, et puis même quand il n'arrive pas en premier, on l'a vu pendant ces dernières années, ben il y a l'outil 49.3 qui a quand même été hyper utilisé. Mais en fait, bon, moi, il me semble qu'il faut absolument retrouver un moyen pour que ces assemblées fonctionnent beaucoup plus sereinement, et je pense que toutes les voix doivent être entendues. Et toi, Jean, alors? Donc, cette émission tourne autour du vivre ensemble. Donc, moi, je suis militant associatif au MORAP, plus précisément. Donc, le MORAP, c'est le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Donc, on a effectivement, vous voyez bien avec ce terme qu'on a toute notre place là. Et donc, on est dans le vivre ensemble. Donc le MORAP a ses activités qui tournent autour. Le MORAP, il faut rappeler que le MORAP est né après la guerre de 39-45. C'était un mouvement d'éducation populaire au départ. Il faisait de l'éducation populaire pour que les choses ne se reproduisent pas dans l'histoire. Plus jamais ça. On en est loin. Et donc le MORAP a évolué et maintenant on fait beaucoup de l'aide aux migrants, des conseils juridiques. Mais on intervient aussi dans les écoles pour parler du vivre ensemble. On intervient auprès des collèges, auprès même des écoles primaires. Donc voilà une petite présentation. Alors, le vivre ensemble, c'est quoi? Ben, je crois que là, au quartier des Oliviers, on le voit bien. Il y a nombre de communautés importantes et ils arrivent malgré tout, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir, à vivre ensemble. Il y a différentes communautés, alors il y a un certain communautarisme, mais il y a différentes communautés qui arrivent à vivre ensemble. Ils arrivent peut-être à vivre ensemble parce qu'il y a des services publics, même s'ils en prennent beaucoup un coup, mais une école par exemple aux Oliviers qui fonctionne bien et qui où il y a, je ne sais pas combien, mais 14 nationalités il me semble. Oui, enfin, c'est très varié parce que moi j'y ai travaillé voilà. Hein, pendant plusieurs voilà. années. Il y a beaucoup de nationalités. Ouais. Je crois qu'on m'a dit, les instituts m'avaient oui, dit 14. Tout à fait. Donc le vivre ensemble est possible. Il est possible, mais il ne faudrait peut-être pas qu'on ait des moments comme on vit en ce moment pour que ça soit encore mieux et encore plus possible. Voilà ce que moi j'ai envie de dire pour commencer. Alors la façon dont tu as introduit la chose, tu as parlé du fait qu'il y a 80 ans, il s'est passé quelque chose, hein, il y a eu la fin de la guerre. Bon, voilà. Alors c'est vrai que moi je me pose des questions parce que je me dis voilà, cette année on a fêté le jour J, voilà, les 80 ans du jour J, et l'an prochain. Si, je sais pas, on ne fêtera plus le jour J, puisqu'il y a des gens qui sont parties prenantes, il me semble, qui seront peut-être au pouvoir. Donc, peut-être que l'an prochain, si c'est Trump qui est arrivé aux USA, par exemple, déjà que les Russes ne sont plus là, Trump, voilà, imaginez, puis en France, peut-être, en plus, donc, il n'y aura plus de jour J, là. On ne fêtera plus le jour J. Enfin, je sais pas, moi. Bon. Alors, toi, Marie-Thérèse, tu voulais nous parler de ce qui se passe dans un petit village ardéchois. Oui, où une communauté religieuse dont je ne citerai pas le nom fait 115 votes pour un parti dont je ne citerai pas le nom non plus, mais qui prouve qu'un malaise se crée dans un intégrisme religieux qui n'est pas justement la parole de la religion qui serait « aimez-vous les uns les autres et vivez tous ensemble ». Là, ils nous apprennent la haine et l'exclusion. On ne sait pas pourquoi. C'est arrivé dans ce village. Je pense qu'il y a une histoire aussi après-guerre qui fait que cette Marie qui a été posée sur ce village aurait préservé les soldats qui sont revenus de la guerre vivants. Enfin, je ne sais plus exactement l'histoire. Mais en fait, de voir des votes qui dépassent l'entendement dans un village de 400 habitants, on se dit que le malaise, il est national, il existe. Et pourquoi on en est arrivé là, justement? C'est parce qu'on ne sait plus vivre ensemble. On ne connaît plus la simplicité des bonjours, des au revoir, de ne pas se poser la question sur ce que fait le voisin, de vouloir leur inculquer des choses qui ne leur appartiennent pas. En fait, c'est de forcer un peu les esprits à ne pas être ce qu'on est. Moi, je me dis que on vit dans un monde où on a créé des frontières, on a créé des tas de choses, alors que le monde... On est sur la Terre, un astre, et qu'on devrait tous habiter sur cette même Terre sans se poser la question de drapeau, puisque les drapeaux n'existent pas, que je voudrais dire que nous sommes tous des frères sur cette Terre, et que j'ai envie qu'on se dise, aimons-nous les uns les autres, je m'appelle pas Jésus, mais je dis pareil, car c'est que comme ça qu'on pourra apprendre, et je viens de la banlieue Est,
où quand j'étais jeune, je voyais le vendeur de journal rouge, je disais, il y avait le gitan qui était à côté, l'Indien qui passait, tout le monde se parlait et je trouvais qu'il y avait une sacrée fraternité qu'on a un peu oubliée depuis quelque temps et qu'on se retranche derrière dans des cadres justement de communauté, de communautarisme, alors qu'en fin de compte, tout ça, ça existe que parce qu'on veut bien que ça existe. Pierre-Yves, tu parlais de ton enfance, toi ? Ouais, enfin, c'est un peu le même genre d'histoire où moi, mes parents tenaient un bar et c'est vrai que dans les bars, on voyait passer un peu dans un quartier populaire toutes sortes de gens différents, le patron, son ouvrier, le policier, le vendeur de drogue. Voilà, tout le monde passait toute la journée et ça vivait dans le même monde. Mais au-delà de ça, il y a quand même, dans ce que tu disais, il y a véritablement la question de nos objectifs, de nous, ce qu'on veut faire sur Terre. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, moi, je me pose la question, on se dit, ben voilà, on a une super planète, il suffirait qu'on arrive à cultiver pour se nourrir, pour subvenir à nos besoins premiers, et on pourrait après faire de la musique, faire des tableaux, jouer au foot, enfin, s'amuser, faire ce qu'on a envie de faire. Et pourquoi on tombe dans cette espèce de panneau sans arrêt, de pas réussir à vivre de ça? Pourquoi on est obligé de rentrer toujours dans ces espèces de conflits, de concurrence? Alors peut-être que tu pourras mieux nous répondre, peut-être que tu as des explications plus rationnelles. Avant que tu donnes la parole à Jean, moi, tu disais, quand je cultive, ça n'existe pas dans la nature, ce que je suis en train de faire. Oui. Hein? Donc en fait, quelque part pour vivre, nous, les humains, on a amené quelque chose de particulier, c'est-à-dire on agit sur la nature. C'est sûr qu'à partir du moment où on est devenu agriculteur, qu'on est passé du statut de chasseur-cueilleur au statut d'agriculteur, donc le néolithique, on change tous nos fonctionnements et toute la société se crée autour de ça, puisque ce sont des communautés qui se créent, qui vivent autour de champs et tout, et qui cultivent et qui se protègent aussi des autres. Mais à un moment donné, on aurait très bien pu trouver et on pourrait aujourd'hui chercher en tout cas ces équilibres-là, en se disant bah, on sait produire, on a énormément de technique et tout, mais on n'arrive pas à se contenter de ça. Donc on peut se poser la question quand même, qu'est-ce qui fait que l'humain est comme ça et qu'est-ce qui explique tous ces conflits? Les frontières n'existent pas normalement. Elles ont été créées pour préserver, hein, mais voilà, je ne sais pas comment toi tu le vois. Moi je vois qu'effectivement les frontières ne devraient pas exister. Si elles existent, c'est les hommes qui les ont mis en place. Ils les ont mis en place avec des intérêts très particuliers. Si on regarde la carte de l'Afrique à partir des colonisations, comment en 1886, je crois, il y a eu le congrès de Berlin, qui se sont partagés l'Afrique. Vous regardez les frontières d'Afrique, droites, elles sont droites. Et vous regardez le golfe du Lion. C'est le golfe de Guinée et vous regardez le Bénin, le Togo, c'est droit. Et ils ont 120 km de large pour simplement que les colonisateurs puissent avoir accès au port. Ça a été ça, la colonisation. Donc, je dis ça pour dire que c'est pas pour parler de la colonisation, encore qu'on pourrait en parler beaucoup, mais c'est pour dire que les frontières, c'est les hommes qui les ont fait, avec des intentions pas toujours bienveillantes, on va dire, pour pas employer d'autres mots. Mmh. Voilà. Donc moi je pense qu'effectivement les frontières. Alors maintenant il y a une frontière, et là peut-être qu'on va rentrer dans le côté humain de la chose. Il y a des frontières qui sont malheureuses. C'est par exemple la Méditerranée, avec tous les morts, qui est devenue un cimetière. C'est une frontière qui est devenue un cimetière. Et donc, je vais prendre un exemple simplement. Frontex. Alors je vais reprendre quelques notes. Le directeur de Frontex, que je nommerai pas, il a été le directeur de Frontex de 2015 à 2022. Il a dû démissionner parce qu'il y a eu des révélations de l'agence couvrant. Ces révélations, c'était que l'agence Frontex couvrait le refoulement systématique aujourd'hui, il est aujourd'hui troisième sur une certaine liste, que je nommerai pas non plus, aux européennes. Donc, vous voyez, Frontex refoulait, avec le risque effectivement, et la réalité, c'est qu'il y a eu des morts,
Alors, vous voyez bien que nos frontières... Les gens qui arrivaient, on les refoule. Ouais. Et donc, on les refoule et on les envoie au casse-pipe, on les envoie... Donc, ça montre bien que même ce que nos États ont mis en place, comme Frontex, par exemple, ils sont contre au contraire du vivre ensemble. Au lieu d'accueillir, qu'est-ce qu'on fait ? On rejette, au risque, effectivement, que des gens aillent mourir en Méditerranée. Mais pourquoi ces gens-là veulent migrer, veulent venir chez nous ? Est-ce que c'est un choix ? Est-ce que tu crois que si tu es né au Bénin et que tu as grandi au Bénin, tu te dis le seul endroit sympa qu'il peut y avoir sur Terre, c'est la France ? Est-ce que tu penses qu'ils pensent ça comme ça ? Il y a quand même plusieurs choses. La colonisation, je me rappelle d'un débat qu'il y avait eu, je reviens sur la colonisation, avec Alain Rey à France Inter, où dans le dictionnaire du Petit Robert, c'était marqué que la colonisation, c'était mettre en valeur un pays. Et donc, ça avait fait un grand débat en disant... Et Alain Rey, il expliquait, mais c'est pas le mettre en valeur pour lui faire plaisir, c'est le mettre en valeur pour l'exploiter. Ouais. Et pour ensuite développer le pays industriellement et faire des nouveaux consommateurs. Ouais. En fait, on se retrouve quand même dans une situation où en Afrique, on peut vivre sans cultiver, parce que il fait beau toute l'année, on peut vivre, enfin les gens pourraient très bien vivre de ces manières-là qui leur conviennent, mais aujourd'hui ils peuvent pas, et c'est des pays qui sont ils peuvent pas parce qu'on a quand même l'impression qu'on est d'abord il y a eu un piment des richesses des différents pays occidentaux, c'est un petit peu ça, on a pillé les richesses et puis une imposition d'un système économique auquel aujourd'hui ils peuvent pas échapper, quoi. Oui. Parce que moi j'imagine, excuse-moi, le Congolais, il naît, il a ses parents là, il a ses amis là, il a tous les gens qu'il aime là, et il part. Est-ce que vous imaginez demain, la France c'est pas terrible et vous partez, quoi. Mais il y a eu des exodes en France. Ils partent pas parce qu'ils ont envie, ils partent parce qu'ils y sont contraints, quelque part. La chanson de Jean Ferrat, c'était l'exode des Ardéchois qui partaient vivre en ville, et c'est exactement la même chose, sauf que c'est dans le même pays, mais c'est exactement la même chose. D'accord, c'est dans le même pays, mais il faut savoir que les migrants sont en majorité dans leur propre continent, dans leur propre continent. Non. Je sais pas où on en était. Je vais simplement rebondir sur la colonisation. Enfin, moi, ça m'a toujours fait rire, par exemple, si on prend l'exemple de nos moyens énergétiques. Enfin, on fait fonctionner nos centrales nucléaires, je ne parle pas du pour ou du contre, par de l'uranium. L'uranium, on va le chercher au Niger. Arriva va le chercher au Niger, et il faut voir, il y a un film qui a été fait par c'est la CRIRAD, je crois, voilà, l'organisme qui fait un peu contre-pouvoir. Donc, encore une fois, c'est pas pour parler du nucléaire là, mais c'est pour dire que la colonisation, c'est ça aussi. C'est aller prendre les richesses. Et alors, ce qui me fait rire, c'est qu'on le fait au nom de notre indépendance énergétique. c'est très drôle. On est indépendant. On est indépendant sur le dos des Nigériens. Donc, voilà. Mais pour répondre à ta question, enfin, pour réagir sur ta question, c'est pas une réponse, c'est pour dire que moi, donc, ça fait maintenant 20 ans que je milite et me rappelle et que je suis à la commission juridique, donc des migrants, j'en vois toutes les semaines, puisque c'est le lundi que nous avons notre commission juridique, et pour aider les gens à faire leurs papiers. Eh bien, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est venu pour le plaisir, ou alors c'est un touriste. Hein, mais ça a un autre nom. C'est pas un migrant, c'est un touriste. Hein, je n'ai jamais vu quelqu'un quitter son pays pour des raisons autres que des raisons de souffrance. Alors, je n'ai jamais vu. Quand on a préparé l'émission, on a aussi dit, et c'est toi Marie-Thérèse qui le disais, alors je ne sais pas si tu dois partir, mais on voit que les médias déforment beaucoup et grossissent et arrangent les informations à leur façon. Et donc, on se retrouve peut-être aussi dans... Là, quelque chose contre un mur, là, on va droit dans un mur, là, on va droit dans le mur du non-vivre ensemble, hein, quelque part,
parce que les médias nous... Alors, les médias de grands milliardaires, les médias, même les médias officiels nationaux, puisque je parle de ça parce que aussi on a une réforme de l'audiovisuel qui est en cours, et Rachida Dati nous a quand même expliqué que l'ORTF c'était quand même vachement bien, et que les ouvriers au moins apprenaient quelque chose grâce à l'ORTF, quoi. Alors qu'est-ce que tu en penses à ça, ces médias qui partent complètement de travers, Marie-Thérèse? Je pense qu'ils nous bourrent le crâne pour nous, justement, pour nous apprendre à ne pas vivre ensemble, pour créer une peur commune de l'autre. Et l'audiovisuel, c'est le meilleur des moyens pour le faire, puisqu'on va s'intéresser à des choses auxquelles on ne se serait pas intéressé. Et toutes les infos qu'on nous passe par la tête, ce n'est pas de la culture, mais c'est du bourrage de crâne. Et je pense que là où on en est actuellement, les médias n'y sont pas pour rien, en fait. On reparlait des migrants, mais pour moi, il n'y a pas de migrants. On est tous des frères sur cette terre, donc on doit tous pouvoir aller là où on veut. Et si moi, la France doit la quitter parce que, justement, elle ne va pas, je la quitterai. Pas de mon plein gré, peut-être. Mais je pense que tous ces gens qui viennent d'ailleurs viennent parce que, justement, ils sont repoussés par nous-mêmes, qui, en voyant des armes, qui, justement, prenons leur richesse pour en faire les nôtres. Ils se retrouvent sans rien, ils se retrouvent dans des combats qu'ils ne comprennent pas, on tue des populations, ils viennent vivre chez nous, et nous, on parle de vivre ensemble, alors qu'on les rejette, on les fait mourir en Méditerranée. Mais en plus, on fait de l'exclusion, on se moque. Je me dis qu'on parle beaucoup du voile, aussi, mais le voile... Avant, quand je voyais pas le voile, mais à force de les exclure, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se recrée des identités, et c'est là le problème. Même ici, hein, c'est on veut se faire des cases de correspondance idéologique ou de bien-être, de machin, de trucs, sans penser que l'autre il existe. Ouais, juste une petite saillie par rapport à ce que tu viens de dire, c'est Monsieur Attal est venu nous expliquer que il y en a qui veulent remettre le voile à l'école. Sérieusement, hein, je l'ai entendu nous dire ça samedi soir sur la 2 à 20h. Donc le mec il vient t'expliquer qu'il y en a qui veulent remettre le voile à l'école. Bon, il faut pas s'étonner qu'après ça parte en sucette quand même. Quand un grand responsable vient nous expliquer des choses pareilles. Moi je voulais juste rebondir sur ça, sur ce que tu as évoqué, et poser la question à Pierre-Yves, mais aussi à Jean. Et les Roms, les Gitans, comment font-ils par rapport à l'agriculture? Comment font-ils par rapport à la vie sur la terre? En fait, alors moi je suis pas spécialiste, mais en fait, c'était des populations qui étaient des commerçants, en fait, hein, qui apportaient d'un pays à l'autre. Et après, bah, ça a toujours été compliqué quand on n'a pas de terre de vivre. Mais en fait, ce qu'on oublie souvent, et ça c'est quand même important à rappeler, c'est qu'avant 1914, il n'y avait pas de passeport. On pouvait circuler dans toute l'Europe sans aucun passeport. Les passeports ont été mis en place pour la guerre en 1914. Ils devaient être supprimés en 1918 et c'était prévu. Et puis en fait, c'est la Société des Nations et en fait qui ont décidé de les conserver parce qu'ils ont trouvé que c'était un bon moyen. Mais avant 1914, il y avait énormément de mouvements et notamment par rapport au travail. Il y avait énormément de gens qui voyageaient, qui allaient d'un pays à l'autre là où il y avait besoin. Donc en fait, le mouvement des populations, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Et je défie n'importe quel Ardéchois de me prouver que son ancêtre était dans la grotte Chauvet. Enfin, je veux dire, à un moment donné, sur quelques générations, quand on remonte, c'est rare de pas avoir quelque part quelqu'un qui a pas bougé, quoi. Et toi, Jean, alors là-dessus? Alors, pour les Roms, pas spécialiste des Roms, enfin, mais je suis d'accord, c'est des gens qui ont bougé, c'est culturel après, je veux dire, c'est. Bon, après, ça se pose la question comment ils sont accueillis. Mais c'est toujours pareil. On en revient au vivre ensemble. C'est vrai qu'à un moment, ils étaient mal accueillis. Ah hein. Ils ont toujours même mauvaise réputation. Et puis, il y avait quand même Tony Gatliff, je ne sais plus pour quel film. Il avait lancé plusieurs milliers de poules sur les Champs-Élysées en disant « Les gitans vous rendent les poules qui vous ont volées. »
Excellent. C'est très bon. Il fait des sacrées choses. C'est quand même des artisans, les gitans de leur origine. Ils trimbalaient. C'était des vendeurs sur des marchés, sur des choses comme ça. C'est une histoire. C'est leur histoire. Voilà, c'est une histoire. Il y a toujours eu des peuples nomades. Il y a encore des nomades. Il y a eu des nomades en Afrique. Il y a toujours eu des nomades. Oui. Ça devient compliqué aujourd'hui d'être nomade. Et pourtant, c'est tellement les capitaux beau. Passent les frontières sans problème. Oui, c'est pas les mêmes nomadismes. Oui. Et le travail va là où il coûte moins cher. Ouais. Donc lui, il a le droit de migrer, mais pas nous. Oui. Allez, à bientôt. À bientôt. À bientôt.